Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Nicolas Nups. Bonjour Pierre-Nicolas. Salut Daniel. Alors, on va te présenter aux gens qui ne te connaissent pas. C'est très simple, en fait, tu as été candidat aux dernières élections législatives. C'est ça. Alors d'abord, je voulais que tu nous parles un peu de ça, nous dire quel était le bilan pour toi. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être candidat? C'est tout simple, Jean-Marie Le Pen avait créé une nouvelle structure politique. Alors, au-delà de ça, je suis, tu aurais peut-être pu le préciser, je suis secrétaire départemental des comités jeunes. Ah, exact, C'est le mouvement de Jean-Marie Le Pen qui est le Front National Canal Historique. oui. Jean-Marie Le Pen a, depuis 2015, puisque c'était un projet qui a pris part dans sa tête depuis au moins 2 ans, il trouvait que le Front National était en train de sortir de sa ligne. De sa ligne politique majeure, et donc par conséquent, il avait envie de réorienter le débat public sur des idées nationales, et il estimait que le Front National ne remplissait plus cette mission. Donc, puisqu'il estimait que le Front National ne remplissait plus cette mission, il a décidé de créer des comités qui étaient au départ destinés à soutenir le Front National. Sauf qu'ensuite, quand on voit la montagne d'ingratitude à laquelle on s'est heurté par la suite, eh bien, comme on a vu qu'on ne pouvait plus de nouveau pouvoir agir au sein du Front National, on a décidé d'agir eh bien, à travers une autre structure politique que sont les comités jeunes. Et donc, nous avons présenté des candidats aux élections législatives, très exactement, dans, je crois, environ 160 circonscriptions. Avec le Parti de la France, de Thomas Joly, enfin Karl Lang, Thomas Joly, tu l'as reçu sur ton plateau, avec Alain Escada de Civitas, et quelques autres structures, Alliance Royale et le Ciel de Karim Ouchik. Oui, vous avez fait une candidature commune, en fait. C'est ça, on appelait ça un cartel commun pour les élections législatives. C'est important que tu précises effectivement que les gens l'ont oublié, mais à la base, les comités jeunes ont été créés pour soutenir le Front National un peu de l'extérieur, en quelque sorte. Et puis C'est petit à petit, ça. il y a Alors à eu. la base, on était censé s'appeler, parce que ça avait déjà pris dans la tête de Jean-Marie Le Pen avant les élections régionales de 2015, c'était censé s'appeler le Rassemblement des Bleu-Blanc-Rouge. C'est-à-dire sur le modèle du Rassemblement Bleu Marine qui a volé en éclats. On était censé réunir l'ensemble des nationaux dans ces structures nationaux qui ne souhaitaient pas faire partie du Front National ou qui ne pouvaient pas en faire partie pour cause d'exclusion. Et comme le nom Rassemblement Bleu-Blanc-Rouge était déposé à l'INPI et détenu par un certain Dupont-Aignan, ben on a dû trouver un autre nom, on s'est donc appelé les comités jeunes. Ah oui, mais attends, Dupont-Aignan, il a ça, mais il ne s'en sert pas. C'est ça, voilà, à la base on devait s'appeler comme ça, mais vu que le nom est déjà détenu par Dupont-Aignan, et ben on ne peut pas s'en servir. Étonnant, Voilà. ouais. Lorsque tu as fait campagne, comment tu as senti la population par rapport à ce nouveau parti, en quelque sorte? Quel a été Très, votre très, accueil? très indifférente, mais je crois que ça, c'était valable pour tous les autres candidats. Tous les candidats, quand ils passent à la télévision, on leur demande s'ils vont sur le terrain, et puis ils te disent oui, même si c'est pas vrai, même si tu ne les vois jamais nulle part, même s'ils vont même pas dans le bistrot qui est juste à côté de leur permanence, ils te diront qu'ils ont fait campagne. Et lorsqu'on leur demande comment êtes-vous accueillis sur le terrain, et ben ils te répondent pas qu'ils se sont fait cracher à la figure, agresser, insulter, etc. Bon, après, je pense que c'est vrai. Je veux dire, moi, personne ne m'a accueilli quand je disais que je venais de la part de Jean-Marie Le Pen, personne ne m'a tiré dessus au fusil de chasse, et personne ne m'a craché de mollard à la figure. Mais je veux dire, les gens sont totalement indifférents, aussi bien pour nous que pour les autres candidats, parce que les gens, tout simplement, ne croient plus en la politique, et ça s'explique à travers l'abstention massive qu'il y a eu à ces dernières élections. Il y a eu plus de 50% Énorme. d'abstention, donc les gens ne se sentent plus concernés. Donc l'indifférence auquel nous nous sommes heurtés, elle est assez générale, elle est aussi valable pour les autres partis politiques. Alors, quel a été le bilan, soyons clairs, de cette campagne? Je veux dire, quels ont été vos résultats? Est-ce qu'il y a eu des endroits où il y avait des bons scores? Je crois que la moyenne générale est en dessous de 2%. Ça veut dire que malheureusement, la plupart n'ont pas fait les 5% nécessaires au remboursement des frais de campagne. Moi, j'ai fait 0,77% dans une circonscription qui est difficile, puisque Nancy est une grande ville, c'est très bourgeois, c'est très blanc. Nancy, par exemple, aux élections présidentielles, tu as en première position, tu as Emmanuel Macron, en deuxième, tu as François Fillon, en troisième, tu as comment que Jean-Luc Mélenchon. Exactement. En quatrième, tu avais encore un autre type, je ne sais plus c'est qui, et puis seulement en cinquième position, tu as Marine Le Pen. Ah oui, bah alors là. Voilà, donc c'est comme sur Paris, les grandes villes, c'est pas du tout favorable à notre courant de pensée. J'ai fait sur Nancy 322 voix.
Ce qui est bon, ce qui est assez faible. C'est pas avec 322 voix que tu prends le pouvoir, ouais. Mais néanmoins, ça représente quand même un tiers des voix du Front National. Parce que le Front National, la candidate FN qu'il avait en face de moi, elle n'a fait que 1200 voix. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette proportion par rapport au Front National. Voilà. Et ben, dans la plupart des circonscriptions, on n'a peut-être pas fait des scores, disons excellents, des scores qui nous poussent vers une victoire électorale, mais de manière générale, on a fait un tiers des voix du Front National. Oui. Parce que je te rappelle que le Front National n'est pas à 13%, le Front National est à 6%. Parce que c'est pas compliqué, quand t'as 50% d'abstention, tu divises le score par deux. Oui, d'accord, ok, mais voilà. On peut dire la même chose de tous les partis. Exactement, par exemple, les députés qui ont été élus pour Emmanuel Macron, ils n'ont pas fait 30%, ils ont fait 15%. Ça veut dire qu'ils ne représentent que 15% du corps électoral, autrement dit, personne. Ça veut dire, en gros, qu'ils ont plus de 75% des gens contre eux. Voilà, c'est l'état dans lequel se trouve la démocratie aujourd'hui. Un coup de trinquon quand même à ta participation, oui, à cette campagne. Alors, qu'est-ce qu'on boit ? Un vin de chez moi, ça s'appelle un Grit Tool. Oui. Alors, en Meurthe-et-Moselle, on n'est pas très réputé pour les vins. Pour les vins qu'on fait, parce qu'on est très concurrencé par des départements limitrophes comme l'Alsace, avec son Gewürztraminer. Oui. Mais bon, tu sais qu'en France, on ne fait pas de mauvais produits. Non. Alors moi, je t'ai ramené un gris bien d'ici. Merci beaucoup, Pierre-Nicolas. C'est vrai qu'en France, même dans les régions qui ne sont pas des régions à vin, eh bien, on boit quand même du bon vin. Voilà. Alors, est-ce que malgré tout, tu as... Je sais pas si tu veux le dire, mais est-ce que tu as voté pour le Front National aux élections présidentielles ? J'ai voté. Moi, je suis nationaliste. Oui. Tu sais, comme dit Pierre Sidos, tu es nationaliste, donc tu es électoralement frontiste. Mm-hmm. Et j'ai toujours été électoralement frontiste. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai voté Front National à toutes les élections, oui. Y compris pour Florian Philippot. D'accord. J'ai même voté pour Florian Philippot aux deux tours des élections régionales. Enfin, aux élections régionales. Enfin, non, il y a qu'un tour aux élections régionales. Ce qui, pour Pierre-Nicolas, est un effort, hein, parce que tu n'es pas très philippotiste, il me semble. Non, je suis pas du tout philippotiste. Oui. Mais néanmoins, j'ai pas voté, si tu veux, pour Florian Philippot. J'ai voté pour un courant et pour une ambiance qui est générée. Oui. Parce que je me suis dit, si Florian Philippot est élu, ça allait faire crever les syndicats. Oui. Parce que Florian Philippot a dit que si jamais il était élu, il ne subventionnerait plus les, tout simplement les groupes anti-France qui ont pris parti contre le Front National, donc CGT, CNT et compagnie. Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que des mouvements, même des mouvements anarchistes, hein, comme la CNT, réussissent à avoir des locaux, même dans les beaux quartiers de Paris, ou même dans les beaux quartiers de Metz, de Nancy ou ailleurs? C'est tout simplement parce qu'ils sont subventionnés par le conseil régional, tout simplement. Et c'est vrai que cette seule réforme prévue par Philippot justifiait le vote. Ça aurait fait crever les syndicats et ça aurait justifié le fait qu'on vote pour lui. Ouais. Bon, naturellement, c'est pas un blanc-seing qu'on lui signe. Mmh. On continue encore à combattre sa politique à l'encontre, enfin à l'intérieur du Front National, qui se fait à l'encontre du Front National d'ailleurs, mais lorsqu'il n'y a pas de candidat de meilleure alternative électorale, on vote pour le Front National. Ouais. Voilà, donc c'est. Tu sais, c'est comme on dit, à défaut de grive, on mange des merles. C'est ça. Voilà. C'est faute de mieux. Exactement. Bon, après, à Nancy, aux élections législatives, il y avait un meilleur candidat. En l'espèce, il y avait moi, donc j'ai voté pour moi. C'est normal. Voilà. Ça semble logique que les candidats votent pour eux-mêmes. Alors justement, puisqu'on parle de toi, est-ce qu'il y a une particularité à ta ligne politique ou c'est vraiment FN canal historique J'ai toujours été Front National, moi. Ouais. Le Front National, c'est le mouvement dans lequel j'ai fait mes premières armes. C'est là où j'ai eu ma formation politique. J'ai commencé à militer Front National à l'âge de 13-14 ans. J'y ai adhéré officiellement à 18 ans. J'ai très rapidement obtenu des responsabilités au sein du Front National de la Jeunesse. J'étais responsable du FNJ 54, qui était une des meilleures fédérations de France. Alors bien sûr, derrière le Rhône-Alpes, parce qu'on avait quand même une grosse concurrence. On avait Alexandre Gabriac. On avait Gabriac qui mettait la barre très haut. Ouais. Mais en Lorraine, on n'était pas mauvais, on était les deuxièmes. D'accord. Et ensuite, je précise que moi, je n'ai jamais été exclu du Front National. J'en suis parti en 2011 parce que j'étais en désaccord avec la ligne politique qui a été adoptée. J'avais soutenu Bruno Gollnisch, dont j'étais le directeur de campagne pour la Meurthe-et-Moselle. Ah, oui. Quand il n'a pas été élu, eh ben je me suis retrouvé orphelin de structure, mais pas de doctrine. J'avais toujours des idées nationalistes. Il fallait que j'aille ailleurs, alors je suis allé ailleurs tout simplement. D'accord. Parce que je me sentais plus en phase avec le Front National. Mais j'ai tout de même continué à participer aux vies des fédérations, à voter pour le Front National aux élections, mais sans en faire partie.
D'accord. Donc j'ai parcouru ton site de manière détaillée dans la logique de cette émission. Et j'ai vu aussi également qu'il y avait une rubrique charte des valeurs qui correspond à la charte des valeurs des comités Jeanne. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire exactement de quoi il s'agit? Parce que c'est pas banal en fait, on n'a plus trop ça dans les partis politiques. Non, c'est vrai, tu t'apercevras que la charte des valeurs des comités Jeanne, alors la question que tu pourrais me poser, c'est quelle différence y a-t-il? Parce que c'est ça la question qui... Avec le programme, effectivement. Voilà, oui. Quand je vais sur les marchés, les gens ils me disent, mais quelle est la différence qu'il y a entre vous et le Front National? Ah oui, bah oui. Et là, on est généralement assez embêté parce qu'on leur dit, mais il n'y a pas de différence entre nous et le Front National, parce que c'est nous le Front National. Oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la tête du Front National, c'est comme à l'État français. Oui. Tu as des gens qui parlent au nom du Front, qui sont dépositaires de la marque du parti, mais qui néanmoins ne diffusent pas du tout la doctrine du Front National. Oui, oui. Je te rappelle, par exemple, tu vas interroger un type dans la rue qui connaît strictement rien à la politique. Si tu veux, on peut le faire ensemble. Tu vas lui demander c'est quoi le fonds de commerce du Front National. Bon, ici, on est à Paris, hein, donc ils te diront c'est des racistes, c'est des fascistes, etc. Bon, le fonds de commerce du Front National, on sait, toi comme moi, que c'est la lutte contre l'immigration. Bien sûr. Eh bien, on est successivement passé d'un Front National qui préconisait un retour au bled des immigrés, à un Front National qui préconisait une immigration zéro, oui, à un Front National qui préconise aujourd'hui une immigration divisée par 20, c'est-à-dire qu'on ne préconise même plus l'immigration zéro. Ouais. Donc, tu vois, même sur la question de l'immigration, le Front National s'est considérablement, même c'est même plus de la gauchisation, il s'est renié tout c'est simplement. C'est autre chose en fait. Voilà, c'est autre chose. C'est aujourd'hui, d'ailleurs même quand tu vois Madame Montel, exactement, elle dit qu'il faut revoir la ligne politique du Front National quant à l'immigration. Moi qui suis un frontiste devant l'éternel, dans une logique de parti, même quand c'était Marine, j'ai poussé derrière Marine, mais quand j'ai entendu qu'ils allaient changer le discours sur l'immigration, alors qu'il ne reste finalement que ça, il ne restait que ça. Le discours sur l'immigration avait déjà changé, puisqu'on n'était même plus dans une immigration. Et plus arrêté, effectivement. Voilà, c'est ça, c'était diminué. C'était plus arrêté. Donc on avait déjà reculé sur la question de l'immigration, et maintenant on recule encore, encore et encore. Et je parle même pas de la ligne économique ou des sujets sociétaux. Donc à ta question initiale, qu'est-ce que cette charte des comités Jeanne ? Eh bien tout simplement, ce sont les valeurs que le Front National refuse aujourd'hui de défendre. Voilà, tout simplement. Et qui nous semble salvateur pour notre pays, c'est-à-dire les projets qui doivent absolument être défendus. Oui, 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 d'ailleurs, de toute façon, je mettrai en image l'affiche de campagne. Il y a le mot immigration marqué en gros pour revenir vraiment au basique. C'est le mouvement moteur, en fait, de l'esprit national. Tout à fait, puisque c'est l'immigration, c'est le phénomène principal auquel nous avons à faire face aujourd'hui et qui représente un danger majeur, non seulement pour la France, mais pour l'Occident. Oui, oui. Et même, disons-le, parce que ça va être un gros mot, mais disons-le, pour le monde blanc, tout simplement. Oui, bien sûr, oui, parce que, tu sais, quand tu dis que tu es contre l'immigration, surtout dans une ville cosmopolite comme Paris, tu vas aussitôt te faire taxer d'extrémiste, de nazi, de fasciste, de tout ce que tu veux, au moins de raciste, au minimum. Et on sait aujourd'hui qu'on n'a pas le droit d'être raciste, mais la question va au-delà du racisme. C'est pas dans le rejet de l'immigré, dans le rejet de celui qui n'est pas blanc. De sa nature, en fait, c'est pas la question. Voilà, il faut savoir que dans le monde qui est en train de se construire aujourd'hui, dans le monde islamisé, t'as pas besoin d'aller très loin. Tu vas à Argenteuil ou à Barbès ou à Clichy, tu vas vite t'apercevoir que l'immigration, c'est difficile pour tout le monde, y compris pour les Français d'origine immigrée eux-mêmes. Tu comprends ? C'est un monde qui ne sera pas seulement difficile pour les racistes, ça sera difficile pour tout le monde. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est la fameuse phrase « une société multiculturelle et multiconflictuelle ». Tout à fait. C'était Malek Boutit qui disait, bon, je ne sais pas où est-ce qu'il a vu ça, mais il disait « la France, c'est comme une mobylette. Pour que ça avance, il faut qu'il y ait du mélange. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une mobylette, au-delà d'un mélange de 3%, le moteur casse. » Ah, intéressant ça. Voilà. Ça mériterait qu'on lui dise en face pour voir un peu quelle tronche il va faire. Il faudrait lui dire. Alors, quand j'ai dit que je t'invitais à certains amis, ils m'ont dit pose-lui vraiment cette question, c'est vrai qu'elle est intéressante. Comment se fait-il qu'il y ait autant de petits partis à la droite du Front National, c'est-à-dire vraiment à la droite, qui proposent finalement des projets similaires et qui n'arrivent pas à former un parti même? Tout simplement parce que, bon, je sais que le président est assez hostile à cette expression. Lui, il rejette le qualificatif d'extrême droite. Parce qu'il considère que quand tu es, par exemple, d'extrême gauche, eh bien, l'adjectif qui t'est accolé, qui t'est dévolu, c'est gauchiste. Et ça paraît un petit peu, pour l'opinion publique, ça paraît comme sympathique. Tu vois, t'es un peu le romantique, un peu con, qui veut ouvrir son cœur à tout le monde, son cœur ou autre chose, comme dirait Ryssen.
Hein, bon, je ne le dirai pas. Mais quand tu es d'extrême droite, l'adjectif qui t'est ordonné, oui. c'est extrémiste de droite. Oui, oui. Et ça, c'est pas bon. Mmh. Ça, c'est très mauvais. Et d'autant plus que la plupart d'entre nous ne sommes pas des extrémistes de droite. Oui. Nous sommes des gens de la droite authentique. Et mais pour reprendre l'appellation médiatique, l'appellation d'extrême droite, mmh. le gros problème, le problème majeur de l'extrême droite, c'est qu'elle est divisée. Et pourquoi est-ce qu'elle est divisée ? Elle est tout simplement divisée parce qu'elle est trop cultivée. Il y a énormément de penseurs, énormément de philosophes, d'écrivains, etc. Donc tu as autant de doctrines oui. limites que de personnes, et donc forcément ça crée des frictions, et tu n'arrives pas à les réunir sous une seule bannière, et c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen était quelqu'un de très compétent. Je ne dis pas ça pour lui passer de la pommade, mais tout simplement parce que lui, il a réussi à faire cohabiter plusieurs chapelles et ben de ces gens qui aiment la France. Tu sais que Le Pen a quand même réussi à faire cohabiter, pour parler vulgairement, des collabos avec des résistants. Oui, oui. Tu sais que le Front, il a été composé par des gens qui se sont battus dans le bunker de Tonton, comme disent certains, oui. mais qu'il a aussi été composé par des grands résistants, des gens comme Roland Birgui, qui est reconnu comme juste parmi les nations en Israël, ou encore des gens comme Roger Hollindre. Il a oui, réussi oui. à faire cohabiter des miliciens avec des FFI au sein d'un même parti. Oui. C'est quand même pas rien. Le Pen avait quand même cette faculté de réunir tous les gens qui aimaient la France dans une structure. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne vois personne qui est capable de faire ça. Ouais. Bah, justement, j'allais parler de Le Pen plus loin, mais parlons-en maintenant. Toi qui le connais tout de même assez bien, qu'est-ce que tu peux nous dire de sa personne, de son caractère Déjà, je crois qu'on a un caractère qui se ressemble beaucoup. Parce que sans quoi, on ne s'apprécierait pas. tu sais, la première chose qui m'a frappé chez Jean-Marie Le Pen, c'est pas tellement le discours de vérité, ni parce que je suis d'accord avec lui politiquement. Mm-hmm. Bien sûr, j'étais d'accord avec Jean-Marie Le Pen politiquement, mais ce qui m'avait beaucoup marqué chez Jean-Marie Le Pen, c'est sa personnalité. Mm-hmm. Et beaucoup de gens qui me connaissent, beaucoup de mes amis, ils disent Nup, c'est un deuxième Le Pen, ouais, quoi. Ouais, ouais. On a presque le même style vestimentaire, c'est de dire on parle pareil, et je. Moi, je me suis trouvé en désaccord une seule fois avec Jean-Marie Le Pen. Rien qu'une seule fois, mais pourtant c'était quand même un désaccord assez majeur, oui. c'est quand il nous a demandé de soutenir en 2011 sa fille au congrès de Tours. Moi je dis non, je soutiens Bruno Gollnisch. Mmh. Ça c'est le seul désaccord que je me connais avec Jean-Marie Le Pen. Tu penses qu'il le regrette aujourd'hui ? Ah, tu veux peut-être pas parler pour lui, mais... Je veux pas parler pour lui, mais je crois qu'il a pris la mesure de son erreur. D'accord. Je pense qu'il l'a bien pris. Mmh. En tout cas, je te remercie parce que je trouve très intéressant... Je ne l'étais jamais dit, cet argument d'une extrême droite qui est trop raffinée et qui donc finalement va chercher des divergences avec des groupes qui sont finalement... Toi, moi, on s'est connus, nous, sur les réseaux sociaux, oui, sur Facebook. Oui, oui. Et tu remarqueras qu'à chaque fois que tu postes quelque chose, ouais. systématiquement, tu as un mec qui vient te chercher des poux. Systématiquement, tu as un type qui va monter une montagne de... Oui, oui. À partir de rien, en fait. Oui, parce que, par exemple, chez les gauches, l'immigrationnisme suffit à créer un point de ralliement. Oui, mais eux aussi, ils sont pas aussi unis qu'on a l'impression. Eux aussi, les gauches sont divisées, mais néanmoins, ils ont l'intelligence de s'allier pour faire barrage, et bien tout simplement, à nous, quoi. Par exemple, en période électorale, voilà, ils arrivent à s'allier. En période électorale, ils arrivent à s'allier, et même au-delà de la période électorale, lorsqu'il s'agit d'aller casser la gueule à une bande de nationalistes... à 15 ou 20, t'inquiète pas que les anarchistes, ils s'allient avec les staliniens, avec tout. Voilà, ils y vont, quoi. Ouais, ouais. Donc, eux, ils ont une capacité de nuisance qui est faite parce qu'ils arrivent à s'allier, tout simplement, alors ouais. que nous, c'est pas tout à fait notre cas. Ouais. Voilà. Je vois mal un racialiste païen de terre et peuple aller s'allier avec un catho tradi du RF ou de l'Action française, quoi. Ouais. Il serait limite capable de se taper sur la gueule entre eux. Malheureusement, oui. Et d'ailleurs, ça arrive assez souvent. Oui. Bon, peut-être pas. Bon, j'ai donné deux noms. Oui, non, mais il mais... y a des contre-exemples aussi. Voilà. Y a pas de problème. Mais c'est une tendance, quand même. C'est en ça que c'est assez difficile de réunir des gens. Parce que ma vraie question, c'est dans le cadre des comités Jeanne et tout. Est-ce que le PDF, les gens qui suivent Jean-Marie Le Pen comme toi ou d'autres, peuvent, et même Civitas, ne pourraient pas former un parti unique une fois pour toutes ? Justement, ce serait pas plus performant ? Justement, bon, je pourrais pas trop t'en dire aujourd'hui, mais d'accord. C'est en cours. C'est en tu auras des informations comme tout le monde à la rentrée. Ouais, voilà, c'est projet. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est ouvertement décidé, oui. mais il y a des négociations qui sont faites pour aboutir sur une nouvelle structure d'ici la rentrée. Intéressant. Parce que malheureusement, on n'aura pas remis la main sur notre parti naturel d'ici là. Oui. Voilà, donc je ne sais pas si tu as bien suivi les débats. Marine Le Pen, le soir de l'élection présidentielle, a dit
qu'elle voulait faire une refondation majeure du Front National. On pensait qu'elle l'avait déjà fait. Voilà, on pensait qu'elle l'avait déjà fait, et ça veut dire que ça ne marche plus, tout simplement. Oui. Et même de changer le nom. Alors, je sais que Jean-Marie Le Pen y est très hostile. Oui. Bon, là j'ai un petit point de désaccord avec lui. Bon, au contraire, je suis très favorable au changement de nom du Front National. Ouais. Eux, ils s'en vont, ils vont créer leur structure. Ça vous permettrait de le reprendre, voilà, ou c'est pas possible pour des questions légales? Non, juridiquement, c'est compliqué, déjà. D'accord. Parce que le nom du mouvement, il est déposé et appartient en partie à Jalk. D'accord. Jalk, tu sais, qu'on a été rechercher une vieille interview sur lui. Oui, sur d'accord. Une question historique un peu... douteuse. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'il n'a pas pu être oui, je comprends. Président du parti. Oui. Mais là, en l'occurrence, là, donc, on disait pour... j'essaie de retrouver le fil. Quand le soir de la défaite, Marine Le Pen a annoncé une refonte du parti, et vous pensez que ça, finalement, elle va aller encore plus loin dans la dynamisation Oui, j'en suis convaincu, puisque c'est ce qu'elle a fait depuis 2011. Je veux dire, aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'elle est arrivée à la tête du Front National? Elle a exclu les militants historiques. Elle a... Bon, les militants sulfureux, quoi. Elle les a mis à la porte. Elle a même exclu son propre père. Ça, c'est même quelque chose... Je pensais même pas qu'elle le ferait un jour, si tu veux. Moi, j'ai fait partie, comme je te l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, des jeunes avec Gollnisch. Ouais. Et je me souviens que beaucoup étaient proches de structures comme l'œuvre française, auxquelles j'ai appartenu. Et à cette époque-là, on distribuait des documents, essentiellement sous format numérique, comme quoi la dédiabolisation, je cite, était un monstre froid qui finira par manger ses propres enfants. Ça, je crois qu'un de tes invités te l'a déjà dit sur ce canapé. Oui. Et que demain, si nous y prenons garde, Jean-Marie Le Pen lui-même sera exclu du Front National. Incroyable, et ça voilà. S'est arrivé. Et moi, je dois te dire que généralement, je ne lutte pas pour des causes auxquelles je ne crois pas. Mais j'ai distribué beaucoup de ces documents. Je ne pensais jamais que Marine Le Pen exclurait son propre père. Je pensais qu'elle attendrait qu'il passe... qui passe l'arme à gauche, tu vois, qui passe dans l'autre monde, mais finalement, si, elle l'a fait. Ouais. Et pour des raisons, d'ailleurs, je me souviens même plus pourquoi est-ce qu'elle l'a exclu, d'ailleurs. C'est tellement insignifiant que je me rappelle même plus. C'était un truc... Honnêtement, je me rappelle même plus. Il y avait des raisons officielles, mais c'était un peu une vengeance quand même, parce que Jean-Marie Le Pen avait accordé une interview à Rivarol, et Rivarol est très anti-marine. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai ça qu'il a payé, en fait. J'ai ce numéro-là à la maison, oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais enfin, Jean-Marie Le Pen, à ce moment-là, je dis pas ça pour le défendre, mais force est de constater qu'il n'a tenu des propos. Qu'il a tenu en gros depuis plus de 30 ans, quoi. C'est pas nouveau, il c'est n'a vrai. Pas fait, il a rien dit de nouveau sous le soleil, quoi. Ouais. Mais voilà, dans la stratégie de Marine Le Pen, dans l'hystérie de la dédiabolisation, eh bien, elle se devait de se débarrasser de son père. Ce qui est et certain, maintenant, il faut qu'elle se débarrasse du nom de son parti. Ce qui est certain, c'est que si elle devait continuer avec Philippot, alors lui, il persiste et il signe. Hein, il veut absolument pas changer sa ligne. Il veut créer un grand front anti-mondialiste. Mais ça existe déjà, ça. Le grand front anti-mondialiste avec une ligne un peu de gauche, étatiste, souverainiste, colbertiste, appelle ça comme tu veux. Ça existe déjà, ça s'appelle le Front de Gauche. Ça, oui. C'est le mouvement. C'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon, simplement. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, maintenant, il se revendique même patriote. Et si tu suis bien, il commence à parler de l'immigration. Ah, j'avais pas vu ça. Jean-Luc Mélenchon commence à parler de l'immigration, comme quoi ça a été fait par les grands patrons pour il est poser malin. La baisse. Voilà. Et c'est si vrai que tu as même dans certains milieux communistes, que je surveille un petit peu, bon, je les stalke pas non plus, mais j'ai surveillé un petit peu, tu as même des gens qui disent que Mélenchon, c'est le futur Jacques Doriot. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, regardes même. Tu sais, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, au moment de la campagne présidentielle, dans l'entre-deux-tours, j'ai vu passer des documents, des tracts, où on faisait le jeu des sept familles, c'est-à-dire Marine Le Pen et Mélenchon. En gros, il n'y en a pas. C'est-à-dire Marine Le Pen et Mélenchon, finalement, c'est la même chose. Ils ont pris tous les points en commun qu'il y avait dans les deux programmes. Oui. Au départ, je me suis dit, ça, c'est une initiative privée, quoi. C'est un militant un peu gauchiste qui est arrivé récemment au Front National. Oui. Mais en fait, non, c'était un tract officiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, officiellement, le Front National, il te dit « Regardez comme on a des points avec le Front de Gauche de Jean-Luc Mélenchon ». Mais oui, d'ailleurs, on a eu quelques candidats qui ont appelé à voter Mélenchon au deuxième tour lorsqu'il n'était pas... Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est arrivé, par exemple. Ouais. Tiens, par exemple, tu sais, quand je parle de gauchisation du Front National, je dis pas ça parce que je suis hystérique, après, parce que je suis fâché après la ligne politique de Marine Le Pen, ni parce que je suis fâché qu'elle a exclu son père, ou parce que je peux plus revenir dans le parti, c'est même pas ça. Jean-Luc Mélenchon himself se rend compte de la gauchisation du Front National, puisque je crois que c'était le 15 avril de l'année dernière. Il disait sur France 2 qu'il ne suffisait pas à Marine Le Pen ou à Florent Philippot de copier ses discours pour s'acheter une honnêteté politique. D'accord.
Donc Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le représentant, disons, de l'extrême-gauche institutionnelle, il trouve lui-même que Marine Le Pen et Laurent Philippot copient ses discours. Et deux jours plus tard, c'était François Hollande, le 17 avril de 2016 ou 2015, je ne sais plus, eh bien, il avait provoqué un tollé dans les milieux communistes français parce qu'il avait comparé Marine Le Pen à un tract du Parti communiste. Je veux dire, moi qui suis un mec de droite, tu me compares à un tract du Parti communiste, si tu fais pas 1m90 tu vas t'énerver. 120 kilos, je vais m'énerver. Ouais. Mais Marine Le Pen, je pense qu'elle a pu être flattée par ce genre de comparaison. Oui, elle s'est dit, ça a marché, je suis diabolisé. Elle s'est dit que c'est plutôt pas mal. Mais il est vrai, c'est une digression, on va pas entrer dedans, mais Mélenchon me fait très peur. Il est très malin. Pour 2022, j'ai peur de Mélenchon, vraiment. Bah, il a pas fait un score minable aux élections présidentielles. Tu sais qu'à quelques pourcents près, il était au-dessus de Marine Le Pen. Ah oui, bien sûr. Ça s'est pas joué à grand chose. Il est très bon, il a réussi à bénéficier de l'éclatement de la gauche. En fait, Jean-Luc Mélenchon, il est très bon. Ouais. Même dans ses... C'est un excellent orateur, c'est un bon populiste. Jean-Luc Mélenchon, bon, je suis pas d'accord avec lui, mais si je dois lui faire un compliment, on pourra peut-être le comparer. On parle de sa qualité d'homme politique. Voilà, c'est un Le Pen de gauche. Ouais. Il est très bon, Jean-Luc Mélenchon, et malheureusement, on a trouvé personne pour lui faire concurrence. Parce que, quand tu regardes quelque chose dans notre pays, historiquement, lorsque l'on combat la gauche, elle recule. Systématiquement. La gauche n'a jamais vraiment été au pouvoir, mais elle a toujours réussi systématiquement à faire passer tous ses projets les plus nuisibles. Deux projets. L'avortement et le regroupement familial. Oui. C'était pas un mouvement de gauche qui a mis ça en place. C'est pas François Mitterrand. Le regroupement familial et l'avortement... Giscard d'Estaing. Donc. C'est Giscard d'Estaing. Ouais. C'est un gouvernement de droite. La gauche a toujours réussi avec ses tractations, avec ses... je dirais, ces contrats, soit réels ou tacites, avec les partis bourgeois, elle a toujours réussi à avoir son pouvoir de nuisance. Même quand elle ne gagnait pas le combat politique, elle gagnait le combat moral. Tout simplement parce que la gauche n'a jamais été combattue, sauf par Jean-Marie Le Pen. Il n'y a qu'un seul homme politique et un seul mouvement qui a osé combattre le Parti communiste à la fin de la guerre, et c'est Jean-Marie Le Pen, et nous lui devons ça. Alors... bon, on va avoir l'impression que je saute un peu du coq à l'âne, mais pour finir cette première partie, je voudrais parler d'une autre figure qui est importante et qui est celle de Donald Trump et que tu as soutenu. Et il faut te rendre hommage parce que tu as été un des premiers à voir le boulet de canon Trump arriver. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as... Je veux pas me faire enfler les chevilles. Oui. Je suis pas... Ah, mais moi, je le dis, je confirme. Je suis pas un des premiers. Bah, d'ailleurs, tout simplement, il suffit de le vérifier. Je suis le premier Français à avoir soutenu ouvertement la campagne de Donald Trump. Parce que lorsqu'il a déclaré sa candidature, 4 mois plus tard, moi, j'ai créé... Bon, c'était pas grand-chose. Hein, tu me diras, c'est juste une page Facebook. J'avais créé une page Facebook pour le soutenir. Et à cette époque-là, Donald Trump, il n'apparaissait que dans les rubriques humour et insolite sur dans les médias. Non, c'est pour ça que... Et Marine Le Pen qui s'est dit « je suis la seule à avoir soutenu Donald Trump », elle ne l'a soutenu même pas au moment où il a obtenu l'investiture. Elle l'a soutenu que quand il a été élu. Moi, je l'ai soutenu dès le début. Alors, si je peux m'enorgueillir de quelque chose, je fais toujours quelque chose de manière convictionnelle. Moi, dès que j'ai vu Donald Trump, je vais te dire, j'étais chez ma petite amie de l'époque, c'était dans le 12e arrondissement. J'étais allé chercher, j'étais complètement ivre, donc je me suis dépareillé comme je pouvais au milieu des carcasses de bouteilles, etc. J'avais faim, je suis allé nous chercher 2 steaks à la boucherie d'en face. Et quand je suis sorti, j'ai vu une espèce de, tu sais, une grande colonne comme ça avec de la publicité dessus. Et j'ai vu, en gros, le nom Le Pen, ce qui m'a attiré. Je me suis approché du nom Le Pen, et j'ai vu Donald Trump, le Jean-Marie Le Pen américain. Ouais. Et moi, avant ce moment-là, parce que je sais qu'il avait tourné dans quelques films, etc., que c'était je lis pas la presse people, tu sais, hein. Donc je savais absolument pas qui était Donald Trump. J'ai été sur Google, j'ai regardé, et je me suis dit, ah bah tiens, ce mec-là, il est bien, je vais le soutenir pour l'élection présidentielle. À mon modeste niveau, si tu veux. Oui, t'as eu un peu un coup de cœur, hein, politique, tu t'es dit, mais c'est ce gars-là, il a de l'or dans la bouche. J'ai regardé des vidéos de ses interventions, etc., je me suis dit, bon, c'est pas tout à fait Jean-Marie Le Pen, il y a des points en commun, mais en tout cas, ce mec-là, il est très bien, il faut qu'il devienne président des États-Unis. C'en est une version américaine, quoi, c'est-à-dire le... C'est ça, En tout cas, il est certain. Vous moi, je pas ne pas le soutenir. Je le confirme que Pierre Nicolas était le premier parce que c'est via ton biais que je me suis rendu compte que la candidature de Trump montait. Et d'ailleurs, la conclusion de ça, c'est que lorsque les médias ont compris que Trump allait pouvoir passer, tu as été suivi un peu par une équipe de médias, c'est ça? J'ai même été invité à la télé israélienne. Tiens donc. Mais t'as accepté l'invitation? J'ai accepté l'invitation au dernier moment.
Ils sont passés à quelqu'un d'autre. Ils ont préféré interroger un autre monsieur qui s'appelle Vivien Hoche et qui a créé un autre comité de soutien avec Donald Trump, mais au moment où Donald Trump a obtenu son investiture. Bon, je dis pas ça pour les tacler, c'est très bien s'ils soutiennent Donald Trump. Profil un peu plus light, peut-être, que Voilà. je le tiens. Peut-être, mais je n'ai pas l'impression d'être un extrémiste. Moi, je Bon. suis un homme de la droite authentique. Ouais, en fait, tu étais. Mais alors, du coup, tu as participé du tout à une émission de. Enfin, un petit documentaire là-dessus, Plusieurs, hein? plusieurs. J'ai été interrogé essentiellement, bon, pas à la télévision, mais à la radio. J'ai été interrogé par plusieurs chaînes de radio. Voilà. Bon, j'ai fait quelques billets dans la presse écrite. Ça m'a valu de passer, je crois, c'est dans le Figaro et dans le Monde. Ta page, c'était les Français avec Donald Trump, C'est ça? ça, c'est ça, les Français avec Donald Trump. Alors, La première qui a été créée, en fait. est-ce qu'il y a un suivi maintenant? C'est-à-dire, est-ce que tu continues de suivre Trump? Et est-ce que, comme certains, tu es déçu par sa Alors, politique? honnêtement, non. Ouais. Non, pour les deux questions. Ah, d'accord, ok. J'ai plus tellement le temps de suivre ce qui se passe aux États-Unis. Et la page, je ne l'alimente même plus. J'ai d'ailleurs créé un site internet qui s'appelle le comité MFGA, Make France Great Again. Voilà, qui est alimenté par des amis que, bon, je ne citerai pas leur nom, mais que tu connais, alimenté tous les jours, et je les en remercie. Eux, ils suivent vraiment l'actualité américaine. Moi, j'ai plus tellement le temps de m'occuper de ça. Et non, je ne me sens pas déçu par sa politique, tout simplement parce que Donald Trump n'est pas le chef de l'État de la France. Et que, bon, après, tu peux lui faire tous les reproches que tu veux quant à tel ou tel point, je ne sais pas si tu veux qu'on les aborde, mais le slogan de campagne de Donald Trump, c'était Make America Great Again. Excuse-moi, j'ai un accent épouvantable, mais c'était pas Make France Great Again, ni autre chose, quoi. En somme, tu C'est la penses que politique les des décisions États-Unis. qu'il a prises pour l'instant correspondent à sa promesse de campagne, c'est-à-dire essayer de remettre les États-Unis au premier plan? Je pense, oui, je pense qu'on peut dire ça. Si on soutient Donald Trump, c'est pas essentiellement parce qu'on pense qu'il va faire une bonne politique mondiale ou quoi que ce soit, c'est essentiellement pour l'ambiance que ça génère, tout simplement. Tu vois, avant, le seul homme politique, le seul grand chef d'État auquel on pouvait se référer en tant que nationaliste, en tant que patriote, c'était Vladimir Poutine. Exactement. Maintenant, on peut se comparer non seulement à Poutine, mais à Donald Trump. Donc, on a un espèce de gauchiste qui vient te voir et qui dit t'es raciste, t'es fasciste, etc., etc. Bah, tu dis, bah oui, bah, autant que Donald Trump, autant que le président des États-Unis d'Amérique. Oui, voilà. Comme en fait ces Voilà. gens-là sont chefs d'État, Voilà. ce n'est plus une posture qui est marginale. Une grande puissance quand même, les Oui, bien États-Unis, sûr. c'est Bah, pas c'est les n'importe deux quoi. pays les plus T'es pas puissants en du train monde. de parler de je ne sais quel pays que personne ne sait placer sur une carte, quoi. Une C'est espèce sûr. de Sankara ou de dictateur africain que Ouais. tes amis de l'ancienne sphère aiment beaucoup, pour ne pas les Exactement, citer. exactement. Oui, bah alors justement, pour terminer sur ces questions un peu internationales, tout de même, ce qui a déçu les gens, c'est que on pensait qu'avec Poutine d'un côté en Russie et Trump aux États-Unis, Daesh allait se faire dérouiller extrêmement vite. Or, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Bah, écoute, bon, Daesh, ils existent encore, mais c'est une guerre qu'on lutte, enfin une guerre qu'on livre contre des individus qui se cachent, qui connaissent quand même leur pays, etc. On ne livre pas ça contre des armées régulières, donc la guerre contre le terrorisme, c'est toujours long. Je crois savoir que la Russie, depuis qu'elle est entrée en guerre contre l'État islamique, elle a fait un bon boulot, elle a quand même détruit plus de 40% de leur infrastructure. Oui, elle a récupéré Palmyre, ce genre de Voilà, choses. c'est quand même pas rien. Non, si, ils ont quand même fait pas mal de choses dans la lutte antiterroriste, faudrait pas dire le contraire, ça serait malhonnête. Que penses-tu de ceux qui disent qu'il faudrait une guerre d'infanterie contre Daesh et plus seulement des bombes? Bah, je leur dis de regarder l'exemple. Je Tu leur leur dis dis de s'engager eux-mêmes, d'y aller Oui, sur pourquoi place. pas? Engagez-vous vous-même, mais la guerre d'infanterie, ça ne marche pas dans ce genre de guerre. On l'a vu en Indochine, on l'a vu en Afghanistan, c'est pas le genre de choses qui marche. Déjà, la moindre des choses qu'on pourrait faire, ne serait-ce que pour se protéger nous-mêmes, c'est déjà, bon, ça va paraître complètement démagogique, on en revient sur notre ligne qu'on adoptait tout à l'heure, c'est simplement fermer les frontières. Bien sûr. Ça peut paraître complètement, je sais pas, démagogue de dire ça. Mais si jamais on avait fermé nos frontières et qu'on avait déchu ces gens de leur nationalité et qu'on les avait renvoyés chez eux ou du moins hors de nos frontières, hors d'ici, eh bien ils n'auraient jamais pu commettre les attentats du Bataclan et de Mais oui, Nice, tout mais ce n'est simplement. pas simpliste, On c'est les aurait simple, ça foutus marche. dehors, ils n'auraient pas pu le faire. Et quand tu regardes bien que les pays qui n'ont pas d'immigration massive de la communauté
musulmanes, Ouais. bah, ils n'ont pas de problème de terrorisme, d'islamisation chez eux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de problèmes de terrorisme ou d'islamisation en Amérique du Sud, par exemple? Non, non, En non. Argentine, tu entends parler, par exemple, des musulmans Non, ou en Europe de l'Est où il n'y en a pas, ouais. c'est pareil. Bah, tout simplement parce qu'ils sont pas là-bas, c'est tout. Bah, d'ailleurs, là, pour le coup, pour rendre hommage à Trump, il essaye vraiment de faire en sorte d'appliquer la technique dont tu viens de parler, c'est-à-dire interdire de territoire les musulmans qui viennent de certains pays les plus voilà. radicaux, et le Congrès américain essaye d'être contre lui, c'est incroyable. Eh oui. Et oui, t'as les ennemis de l'intérieur, voilà, c'est comme chez nous, ils ont les ennemis de l'intérieur. Les cosmopolites, comme dit Henri. Exactement, pour le dire poliment. Bah écoutez, on vous rejoint dans une deuxième partie, on va boire un petit peu de vin et manger de saucisson dans cet ordre, sinon ça n'a aucun sens. A tout de suite. Deuxième partie de Vive l'Europe, en compagnie de Pierre-Nicolas Nups. Merci encore d'être venu, l'ami. Merci d'avoir été d'être. Alors, on va continuer de parler un peu de ta vie militante, parce qu'elle a été mouvementée. Je ne sais pas si elle le sera encore à l'avenir, mais je voudrais que tu abordes... Dieu m'en préserve, diront mes parents. Oui, tu t'es fait embêter par la justice pour différentes raisons, et notamment pour un partage, c'est la première fois que j'entends ça, de liens Facebook. Alors, ce n'était pas tout à fait un lien Facebook, et tu fais bien d'employer le terme partage. Tu as fait oui, une bonne oui. recherche, c'est que je ne l'ai pas publié. Oui, oui. J'ai cliqué sur le bouton share, partager. Oui, oui. J'ai partagé une vidéo de South Park, hein, que tu pourras peut-être, que je te déconseille peut-être de mettre dans ta vidéo, parce que tu risquerais d'être condamné toi aussi. Oui. J'ai partagé une vidéo de 5 secondes, c'est un extrait d'un dessin animé que tous les jeunes de notre génération connaissent, mm-hmm. et même les plus jeunes, c'est South Park. Oui. Et dans cette vidéo, tu avais Monsieur Garrison, qui est le professeur des personnages principaux, ou plutôt Madame Garrison, parce qu'elle avait changé de sexe. Monsieur Garrison, qui est un homosexuel et qui vit avec un individu qui s'appelle Monsieur Esclave. Et un jour, Monsieur Garrison lui prend l'idée de se faire une vaginoplastie, dans l'épisode Le vagin tout neuf de Monsieur Garrison. Donc enlever son pénis pour mettre un vagin à la place. Voilà, il s'enlève son pénis pour se mettre un vagin à la place et il devient une femme. Et ensuite, il va voir son compagnon, Monsieur Esclave, et Monsieur Esclave lui dit « Mais, Madame Garrison, moi je suis gay, je n'aime pas les vagins, je ne veux plus sortir avec vous. » Et finalement, il quitte Monsieur, ou pardon, Madame Garrison, il le plaque, et Madame Garrison devient extrêmement jalouse et homophobe. Et à un moment, dans un élan complètement hystérique, eh bien, Monsieur Garrison dit « Prenons des matraques et des gazeuses, on va aller casser du PD. » D'accord. Voilà. On t'en reproche quoi en fait d'avoir... Eh bien, moi j'ai trouvé ça très drôle, j'avais quand même un petit esprit de provocation derrière la tête. Bien sûr. J'ai cliqué sur le bouton partage et j'ai été condamné à 6 mois de prison, avec sursis, à 9000 euros d'amende et à 5 ans d'inéligibilité, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle avec exécution provisoire. Ce qui signifie que pendant la période d'appel, ouais. normalement quand tu fais un appel, on dit que l'appel est suspensif, c'est-à-dire que ta peine, en gros, elle est annulée jusqu'au prochain jugement. Et bien moi, la peine s'applique encore pendant le jugement. Mmh. Et on espérait par ce fait m'empêcher de me présenter aux élections législatives. Mais finalement, j'ai tout de même pu me présenter parce que j'ai expliqué, bah, écoutez, le droit porte sur mon éligibilité, j'ai pas le droit d'être élu, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de siéger au Palais Bourbon, mais en revanche, j'ai le droit de me présenter. Alors, comprenez bien de ce dont il s'agit. Ce n'est pas Pierre-Nicolas qui a isolé ce moment dans un dessin animé. Pas tout. Et que la justice a dit, bah, parce que vous avez isolé ce moment, ça signifie que vous pensez... Tu as simplement trouvé une vidéo sur Internet que tu as relayée. J'ai cliqué sur le bouton partager. Et est-ce que tu as la curiosité de demander au tribunal s'ils ont attaqué la personne qui avait diffusé la vidéo? Ah, bien sûr que je l'ai fait. Mais ils ont dit, oui, mais là, la question, c'est pas les producteurs de South Park, ni la personne qui a fait cette vidéo. Ouais. La personne qui est le prévenu aujourd'hui, c'est vous. C'est à vous qu'on reproche cela. D'accord. Et le dossier, si tu veux, bah, je peux te le montrer, il est dans mon sac.
Le dossier est absolument délirant. On a fait une commission rogatoire. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c'est. Une commission rogatoire, l'autre nom de commission rogatoire, c'est instruction correctionnelle. C'est-à-dire, une instruction, c'est généralement ce qui est fait pour les crimes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des viols et des meurtres, et bien moi, ils ont fait une instruction correctionnelle pour cette vidéo de South Park. Avec un dossier de 1000 pages qui est épais comme ça. En fait, ils ont considéré que relayer, partager, casser du PD, c'était un appel au meurtre, de cette manière, quoi. L'appel à la ratonnade, mais quoi. Mais c'est pire que ça, en réalité. Ils m'ont poursuivi sur l'article, le fondement de l'article 24, alinéa 9 de la loi du 29 juillet 1881, qui réprime les incitations à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle. Oui. Donc déjà, il va falloir déjà démontrer que le fait d'avoir partagé cette vidéo, eh bien, c'est une incitation à la violence à l'égard des homosexuels. Parce que, tu sais, en droit français, quand tu reproches un comportement à quelqu'un et que tu as envie de le condamner pour ce comportement, il faut trois choses. Il faut déjà un élément légal, c'est-à-dire un texte. Mmh. Ensuite, il faut des éléments matériels qui correspondent à ce texte. Et ensuite, en trois, il faut un iter criminis, c'est-à-dire la conscience du prévenu, de la personne à qui tu reproches l'infraction, que l'infraction est prohibée, et que tu as et qu'elle avait tout de même l'intention de la produire. Il se trouve que le texte qu'ils ont sélectionné n'est pas le bon, parce que le texte qui était censé me poursuivre n'est pas celui-là. Ensuite, les éléments matériels, ils ne correspondent pas à ce texte, et ensuite, ils n'ont pas démontré que j'avais clairement l'intention d'inciter à la haine et à la violence à l'égard des homosexuels, puisque je l'ai nié en bloc du début à la fin, tu imagines bien. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi l'exploit, comme dans une affaire précédente avec une banderole, où ils ont fait intervenir le GEC. Je sais pas si tu sais ce que c'est le groupement d'enquête criminalistique, c'est le NCIS français, tout simplement. Ils ont gratté la banderole avec un coton-tige pour démontrer que je l'avais bien touché. Incroyable. Ils m'ont condamné oui, alors là, sans élément légal, ouais. Sans élément matériel, sans démontrer que c'est moi qui les avais commis, et troisièmement, sans démontrer que j'avais l'intention de commettre cette infraction. Oui. Ce qui est un acte de forfaiture juridique absolue. Oui. Tu comprends, c'est une condamnation qui viole l'ordre public. Donc, arrête-moi si je me trompe, mais là, il fait allusion à une autre affaire. Dans le cadre d'une banderole qui a été considérée homophobe, peut-être à juste titre. En première instance. En première instance, oui. Ils ont estimé que finalement c'était. Oui, mais ils ont essayé de te confondre en cherchant ton ADN sur la banderole, c'est bien ça. Il y a eu une. Oui, c'est pire que ça. C'est que sur la banderole, en fait, c'est une banderole que des militants d'extrême droite, moi j'y étais pas, qui a été déployée lors de la marche des fiertés, c'est-à-dire la Gay Pride à Nancy, il y avait marqué Allez brûler en enfer. Et il a fallu qu'on aille expliquer pendant 4 ans dans les tribunaux. Que dire aller brûler en enfer à des individus, ce n'est pas une menace de mort homophobe. Bah, ce n'est pas une menace de mort au sens strict. Déjà, ce n'est pas une menace de mort au sens strict, c'est d'ailleurs ce qui a retenu le tribunal. Et ensuite, quand bien même c'en serait une, cette menace s'adresserait à l'ensemble des participants du défilé et pas seulement aux homosexuels. Donc, ça veut dire que là, encore une fois, le tribunal de première instance de Nancy nous avait condamné sans élément légal, puisque le texte ne correspond pas. Les menaces de mort, ça ne correspond pas aux faits, aux éléments matériels, à les brûler en enfer. Les éléments matériels ne correspondent pas au texte, et ils n'ont pas démontré qu'on avait l'intention de menacer ces homosexuels de mort, tout simplement. Oui. Et donc, par conséquent, l'infraction n'est pas constituée, ils nous ont condamnés de manière totalement illégale. Oui. Et ça, justement, parce qu'il faudrait bien que tes auditeurs le sachent, cela s'explique par la présence massive, eh bien, de juges rouges, des membres du syndicat de la magistrature. D'ailleurs, c'est dans le point numéro, je crois que c'est le point numéro 7 de la charte des valeurs des comités jeunes, la dissolution du syndicat de la magistrature. Parce que qu'est-ce que le syndicat de la magistrature, en fait? Eh bien, c'est un syndicat d'obédience marxiste, un syndicat gauchiste qui relie tous les juges et les procureurs et un certain nombre d'avocats. Et ce sont des gens qui éditent des brochures, où tu vois, par exemple, des cochons coiffés d'un képi de flic. C'est là toute l'expression de la considération distinguée qu'ils ont à l'égard de la fonction judiciaire et des policiers, et qui éditent également des brochures où ils écrivent « Nous serons toujours du côté eh bien, des truands contre les flics, du côté des locataires contre les propriétaires, du côté des piétons contre les automobilistes. » En gros, ce sont des personnes qui ne vont pas obéir aux droits, c'est-à-dire aux droits applicables dans ce pays, mais qui vont se servir de leurs opinions politiques pour rendre leur jugement. Putain, c'est incroyable, voilà, quoi, cette histoire de... Ils rendront le jugement en fonction de leurs opinions politiques, quitte à violer la loi, c'est-à-dire à donner des jugements, comme j'en ai été victime deux fois, des jugements qui violent l'ordre public. Et ça arrive assez régulièrement, parce que tu t'aperçois que le syndicat de la magistrature, ça représente entre 30 et 39% des magistrats. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas au tribunal, tu as une chance sur trois de te retrouver avec un magistrat membre du syndicat de la magistrature.
T'as 7 Français sur 10 qui n'ont pas confiance en leur justice dans ce pays. T'as des tas de vieilles dames, par exemple, qui retrouvent leur. Les personnes qui ont scooter vont leur tirer leur sac à main. Elles se disent, bah, c'est bizarre, cet individu-là, il a été condamné à 2 ans de prison, je l'ai retrouvé dehors. Ouais. Réponse, syndicat de la magistrature. Oui, c'est Des filles qui se font violer et que la personne n'est pas recherchée, n'est pas retrouvée, ou tout simplement est retrouvée et condamnée à une peine absolument dérisoire, c'est le syndicat de la C'est-à-dire que les peines magistrature. qui sont données parfois à certains criminels, voleurs ou autres, ou violeurs, ne correspondent pas à ce que le code pénal prescrit. C'est ça. Ils s'en détachent. Vous vous rendez compte un peu de Exactement. quoi on parle? Et parfois, lorsque tu as certaines personnes ou certaines têtes qui ne reviennent pas, C'est le contraire. ben c'est le contraire, tu as Ouais, des peines qui sont totalement disproportionnées. Par exemple, moi, j'ai été condamné à une inéligibilité avec une peine provisoire. ouais. Je ne connais personne dans toute l'histoire de la 5e, ni même dans la 4e République, ou même dans la 3e, qui ait un jour été condamné à une peine d'exécution provisoire sur un droit à l'éligibilité. Ça n'existe tout simplement pas. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à violer la loi pour rendre hommage à leurs obédiences marxistes. Font ce qu'ils veulent, en gros. Voilà, ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est bien ça le Incroyable. problème. C'est Et ça vraiment représente choquant. 30% des magistrats dans ce pays. Donc toi, par exemple, si demain tu dois aller au tribunal, Daniel, bah t'as 40% de chances de tomber sur un magistrat membre du syndicat de la magistrature. Et là, bah, peut-être que tu ne seras pas jugé de manière parfaitement impartial, comme c'est prévu par l'article 6, C'est fou, hein. article 6 alinéa 1 C'est probablement de la une des Déclaration choses des droits de l'homme les qui plus se trouve. graves que j'ai jamais entendues. Enfin, c'est Mais vraiment. c'est la vérité. Voilà, et écoute, si tu me crois pas, Ah non, je te crois, tu vas sur Google, tu vérifies, c'est eux-mêmes qui se vantent de représenter entre 30 et 39% des magistrats, et tu regardes les brochures qu'ils éditent. Ils éditent des brochures, un cochon avec une tête de képi de flic, c'est vos droits face à la police. En gros, ils éditent des brochures pour ça. Ils sont censés rendre la justice et ils sont du côté du criminel, c'est délirant. Mais ils le disent eux-mêmes, nous serons toujours du côté des détenus contre les matons, des truands contre les flics, etc., etc. Ça continue comme ça pendant des heures. Et je les tiens pour principaux responsables de la décadence juridique de ce pays. C'est d'ailleurs ce que je suis allé leur expliquer au cours d'une réunion qui était organisée à Nancy. T'avais une réunion des magistrats, c'était une réunion de crise. Ils se plaignaient du tribunal, il y avait des fuites partout, ils n'arrivent pas à rendre la justice dans des délais acceptables, les tribunaux sont engorgés. Ben, je dis, bah ben, écoutez, si vous aviez des magistrats qui rendaient le droit un peu plus correctement, eh ben, les gens ne feraient pas autant de procédures d'appel pour avoir des jugements qui sont totalement aberrants et illégaux, tout simplement. Et c'est pour ça que face à ça, moi je propose deux solutions. Déjà, de un, c'est la dissolution du syndicat de la magistrature, et de deux, la réintroduction de l'ordonnancement juridique du crime de forfaiture, c'est-à-dire que lorsque les magistrats donnent des jugements qui violent l'ordre public, des jugements illégaux, et ben ils puissent être condamnés comme ça se faisait sous l'Ancien Régime. Ça semble être logique. Et voilà, c'est du bon sens, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais preuve de bon sens, et ben, tu es taxé d'extrémisme. Exactement. Alors sans transition, Pierre-Nicolas, dans la région où tu habites, en Lorraine, comment est-ce que sont les gens? Quelle est la tendance politique, majoritaire? En termes de parti politique, tu veux dire? Oui, ou même Eh ben écoute, d'esprit. à Nancy, on a élu une députée, ben, de la République En Marche. C'est Classique. la vague En Marche. Ouais. Nancy, c'est une ville qui est très blanche, très bourgeoise, et qui ne connaît pas de problème d'immigration. C'est pour ça que le Front National n'a jamais réussi à s'imposer. Je te remercie. Je t'en prie. Et c'est comme toutes les grandes villes, c'est difficile pour les nationalistes. Oui. Bon, pas en termes de sécurité, on ne se fait pas agresser ni rien, mais Bien c'est vrai que sûr. c'est difficile de développer nos idées là-bas. Oui. Au niveau de la région, on est plutôt une région qui vote à gauche. Oui. C'est-à-dire, je crois, c'était une des régions qui est restée aux mains du Parti socialiste. Mais on a une bonne communauté militante nationaliste Oui. là-bas. Et est-ce qu'il y a les gens sont athées ou est-ce qu'il y a encore une conscience catholique Ah chrétienne? bah, une conscience catholique chrétienne, non, pas plus que dans les autres pays, enfin pays, Région. pas les autres départements si tu veux, mais il y a encore le concordat chez nous, tu vois. Par exemple, on a des jours fériés qu'il n'y a pas dans d'autres Tiens, endroits. j'ignorais ça. Voilà, bah, ça c'est en quelque sorte du droit religieux qui continue encore à perdurer, notamment en Moselle, à Metz. Ah oui. Voilà, donc Oui, oui, c'est vrai. il y a quand même on bénéficie de Très jours belle fériés cathédrale, que d'ailleurs, à vous n'avez Metz. pas. Voilà. Ouais, bah oui, bah, peut-être que tu y es allé, très belle cathédrale, effectivement. Alors, à titre personnel, bon, quand j'ai parcouru ton site et quand j'entends tes discours, tes valeurs politiques semblent assez proches de celles du catholicisme. Alors, est-ce que tu es toi-même catholique? Et je suis catholique traditionnaliste. D'accord. Et pas tellement, pas trop pratiquant. Je suis Ouais. très croyant, je suis très croyant, mais je pratique assez rarement.
D'accord, bon, tu vas te faire emmerder là, tu vas te faire troller, les gens Bon, vont c'est pas grave, dire. je l'assume, je l'assume publiquement. La question enfantine que j'aimerais te poser, c'est si tu es très croyant, pourquoi est-ce que tu es modérément pratiquant? Parce que j'ai autre chose à foutre le dimanche, tout simplement. D'accord, D'ailleurs, dis c'est donc. aussi simple que ça. Ça va plaire aux Je catholiques, compte sur la ça. grande mansuétude de Dieu, mais je fais ma prière tous les soirs. D'accord. Bon, Voilà. l'essentiel quand même. Exactement. Et De toute façon, je ne vois pas pourquoi, tu sais, oui. quand tu es catholique, Dieu est omniscient, il est partout, il sait tout. Il n'y a Mmh. pas de raison que Dieu soit plus présent à la messe que chez moi le dimanche. Si on Voilà. part de ce point de vue, c'est J'aurai certainement tout le rien. temps d'aller à la messe lorsque je serai vieux. D'accord. En fait, ma vraie question, ça semble provocateur à ton égard, c'était pas ça ma vraie question. Ma vraie question, c'est est-ce que finalement tu prônes pas un catholicisme politique un peu comme le PNF par exemple? C'est-à-dire, y Oui. compris pour les gens qui ne sont pas politiques, une morale catholique qui englobe un peu tout Mais à ça. rigueur, il n'y a pas besoin de prendre parti. Il suffit simplement que tu sortes de chez toi, même à Paris, dans une ville comme Paris où tu sens en tant que catholique carrément les ténèbres t'entourer. Ouais. Tu as énormément d'églises, tu as énormément de chapelles. La France est un pays qui est foncièrement catholique. Et d'ailleurs, dans ses origines historiques, la France, ça naît en 498 ou 496 avec le baptême de Clovis. Avant le baptême de Clovis, on ne parle tout simplement pas de Oui. France. Le catholicisme, ça a profondément pénétré notre tissu social. Et en tant que tel, moi j'estime que nous devons le défendre, que l'on soit croyant ou pas. On ne peut pas forcer des gens à croire en Dieu et à aller pratiquer une religion. En revanche, chez nous, on a des traditions catholiques. Et à ce titre, rien ne s'oppose à ce que les cloches des clochers français continuent à tinter joyeusement dans le ciel de France, alors qu'on devrait interdire les minarets et les mosquées, tout simplement. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Facile à dire en tout cas, mais bon, y a Ah, des points plus faciles à j'ai dire dit qu'à qu'il fallait le faire. faire, mais Ouais. tu sais, ce qu'il faut faire, c'est parfois difficilement faisable. Bien sûr. Alors. Mais tu sais, on a vécu pendant des siècles et des siècles sans mosquée chez nous, et on s'en est pas porté plus mal. Ah oui, il n'est pas sûr que ça nous manquerait. Oui, d'accord, je suis Voilà. d'accord avec toi. Alors sur l'avortement, tu as une position également assez radicale qui correspond peut-être à ton catholicisme, parce que tu veux nous. Bah, disons radical, pas dans le sens de la césure, pas dans le sens des méthodes, radical dans le sens où je m'oppose effectivement à la doxa générale qui veut que l'avortement ce soit quelque chose de parfaitement normal, qu'on puisse limite s'en servir comme moyen de contraception, que c'est quelque chose de parfaitement admis. Et ben bah, je suis désolé, mais non, l'avortement ce n'est pas quelque chose d'admis, ce n'est pas quelque chose de moral. L'avortement c'est non seulement un crime contre Dieu, contre la France et tout simplement contre ton peuple. Aujourd'hui, l'avortement c'est la deuxième face de la pièce du grand remplacement et de l'immigration, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le problème de l'immigration-invasion. Tu as 500 000 immigrés, 200 000 légaux et 300 000 légaux qui rentrent chaque année, donc 1 million tous les 2 ans. Permets-moi de me faire l'avocat du diable. Quelles sont tes sources pour illégaux? Pour les 300 000 illégaux? Écoute, c'est les sources que l'on diffusait à l'époque au Front National. D'accord. Voilà, et moi je préfère faire confiance au Front National qu'au D'accord. gouvernement Ok. ou à d'autres personnes. Voilà, bon, en tout cas, bonjour. Le problème, c'est qu'on a du mal à savoir combien d'immigrés rentrent sur le territoire, puisque même les personnes qui sont au pouvoir n'en savent Ce absolument qui est sûr, c'est rien. que c'est plus de Et qui 200 000, parce qu'il y a 200 000 refusent illégaux et de on voit très venir, bien qu'il y a voilà. des illégaux, c'est Et évident. donc, pour en revenir à la question de l'avortement, tu as 500 000 immigrés qui rentrent chaque année en France, mais tu as 200 000 avortements, c'est-à-dire ça correspond au Oui, nombre d'immigrés qui rentrent chaque année, oui. et dans des conditions qui sont totalement inacceptables. Puisque, à la base, à l'origine, la loi Veil, c'était considéré comme une exception, c'est-à-dire quand on ne pouvait pas faire autrement, c'est-à-dire dans les cas où la fille avait par exemple été violée. Mais aujourd'hui, ça c'est une étude suisse qui l'a démontré, sur les 200 000 avortements qui sont pratiqués, tu n'en as que même 0,2% qui sont faits soit pour des motifs de viol, ou alors pour des risques sanitaires, c'est-à-dire d'avoir un enfant handicapé Oui, mental, ou d'accord. que sais-je encore. Donc voilà. C'est moins de 2% de tous les IVG qui sont pratiqués. Ce sont des IVG de confort qui sont pratiqués, comme le disait Marion Maréchal Le Pen. Ça lui a beaucoup été reproché. Mais ce n'est pas du tout des avortements qui sont dus à des viols ou à des risques sanitaires. C'est parfaitement immoral, c'est inacceptable. Il suffit simplement de regarder une vidéo d'avortement pour savoir à quoi ça ressemble, pour revoir sa position sur le sujet. 7 femmes sur 10 qui voient une vidéo d'avortement, c'est d'ailleurs pour ça que tu n'as plus le droit d'en diffuser. Oui. Délit d'entrave numérique C'est à vrai, c'est l'IVG. vrai, c'est T'as plus vrai. le droit de Je le confirme. faire, parce que Ouais. moi je l'ai beaucoup fait fut un temps, maintenant je vais essayer de me calmer parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Mais 7 femmes sur 10 qui sont confrontées à des images d'avortement
deviennent radicalement opposés à ce sujet. Mmh. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on pratique un avortement, par oui, exemple? Oui, malheureusement, je le sais, ouais. Bah, on va peut-être le dire devant, devant tes spectateurs, c'est très simple. On enfonce dans le, bah, dans le vagin de la dame un pic qui rentre dans le cerveau de l'enfant. On lui aspire le cerveau pour que la tête dégonfle. Ensuite, on le retire. On insère ensuite une moulinette. On va lui couper les membres. Et ensuite, on l'aspire avec un aspirateur. C'est un meurtre. Voilà. C'est ce qu'on appelle un meurtre. C'est un meurtre dans des conditions absolument déplorables. Je suis désolé, si je t'aspire le cerveau avec un aspirateur et qu'ensuite je te découpe avec une moulinette, je pense que je risquerais 30 ans de prison. Il est probable que mes parents voudraient une réparation. Voilà, exactement. Ouais. Et bien, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on tolérerait ce crime absolument. Tu connais les arguments, c'est de dire qu'un bébé n'est pas encore conscient, donc il ne souffre pas, etc., etc. Moi, je suis d'accord avec toi sur la question du meurtre. En fait, il y a vraiment un détail, une question que je voulais te poser. C'est que quand on est catholique, la question de l'avortement, par exemple, dans le cas d'un enfant qui va être trisomique, se pose. Alors là, c'est là où il y a la difficulté, tu vois. Quelle est ta position? C'est vrai. Moi, je suis... Je ne parle pas pour mon mouvement, je parle pour moi. Oui. Moi, je suis intégralement opposé à l'avortement dans absolument tous les cas. Oui. Mais nous tenons comme position publique, même Henri de Lesquin, beaucoup de personnes qui sont traditionnellement opposées à l'avortement, nous, on est pour l'avortement en cas de viol et en cas de risque sanitaire pour la santé de la mère ou pour la santé de l'enfant. D'accord. Il ne faut pas y aller trop violemment au début, tu comprends? Donc d'abord, on va proposer ça et ensuite... D'accord. Oui, c'est-à-dire que c'est un sujet qui divise même au sein du camp national. Exactement. C'est le genre de sujet qui est c'est une question très précise. Mais pour revenir à un sujet, tu sais, qu'en première partie d'émission, on avait parlé de la gauchisation du Front National. Mm-hmm. Quand tu vois des personnes comme Madame Montel, exactement, par exemple, qui, juste après avoir honoré Sainte-Jeanne d'Arc, vient te dire à la tribune du Front National que le Front National, après tout, il a toujours été pour la sanctuarisation de la contraception, de l'avortement et la liberté de la femme de disposer de son corps, bah de deux choses une, soit Madame Montel prend ses interlocuteurs pour des demeurés, ou alors elle est inculte, ce qui n'est pas non plus impossible, elle ne connaît pas l'histoire de son parti, puisque le Front National a été opposé à l'avortement, non seulement au moment où il a été voté et appliqué, mais le Front National était aussi un opposant historique de l'avortement, et le seul d'ailleurs, c'est le seul mouvement à s'y être opposé, alors même que le projet n'était pas encore présenté aux chambres parlementaires. Donc non, Sophie Montel, si jamais tu me regardes, non, le Front National n'a jamais été pour la sanctuarisation de l'avortement. Là, c'est de la contre-information. De la contraception. Hein. Soit tu prends tes interlocuteurs pour des demeurés, ou alors tu es un petit peu inculte. Et puis, je ne suis pas tellement sûr que tu sois vraiment bien disposé à plaider pour la défense des droits de la femme à disposer de leur corps, parce que objectivement... Attention au clash, attention, là il y a possibilité de procès. Objectivement, toute ta vie, tu as connu la liberté de disposer de ton corps, et on a bien vu le résultat. Alors j'en dirai pas plus sur les cellules adipeuses. Oh, mais... c'est fin. Donc, il est quand même important de le rappeler, mais le problème, c'est que c'est pas Sophie Montel. C'est que lorsque Sophie Montel dit ça, je veux pas dire du mal de Marine. Canaille. Mais lorsque Sophie Montel dit ça, ouais, tu vois toutes les espèces, toute la clique de... Je vais me calmer. Voilà, je te sens qui applaudit. Ah, Sophie. Avec, c'est la même qui veut revoir le discours sur l'immigration. Avec Marine Le Pen qui l'applaudit et qui l'encourage. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est une preuve supplémentaire de la gauchisation. Tout simplement, on va même pas parler de gauchisation. Ouais. Il faut carrément parler de défrontisation. Voilà, il y a une défrontisation du parti. Et ça, c'est valable jusque dans l'extrême droite, parce qu'au sein de l'extrême droite, tu as encore des gens qui sont favorables au droit à l'IVG. Ce qui n'est, je te rassure, absolument pas mon cas. Oui, on a bien compris. Voilà, moi je suis radicalement opposé à cette abomination. Alors, puisqu'on y est, mettons les pieds dans le plat, quel avenir pour toi pour le camp national? Est-ce que tu penses qu'en 2022, le FN sera encore le candidat le parti qui nous représentera, ou est-ce qu'il va s'effondrer? Ton pronostic? Je pense que le Front, déjà pour commencer, est-ce que ça s'appellera encore le Front National? C'est vrai, bonne question. Puisque le soir même, moi je ne fais que citer les propos de Marine Le Pen, le soir même, Marine Le Pen a dit qu'il faudra faire une sérieuse refondation du parti. Il me semblait que ça avait déjà été fait, enfin, ma foi, voilà, il faut faire une sérieuse refondation du parti et même envisager un changement de nom. Alors Florent Philippot, lui, a créé son association Les Patriotes. C'est très bien, moi j'y vois absolument aucun inconvénient. Ces gens-là vont enfin pouvoir défendre leurs convictions dans une autre structure qui n'est pas la nôtre, celle qu'on a défendue, parfois même au péril de notre vie, sur les marchés et ailleurs. On a planté un drapeau, on l'a défendu, c'était difficile, aujourd'hui on n'a pas envie que ce drapeau défende d'autres valeurs que les nôtres. Ouais. Alors est-ce que ça s'appellera encore le Front National? Je n'en sais rien, mais en tout cas,
Pour ce qui est de la candidature de Marine Le Pen en 2022, ça va être assez difficile. Oui. Parce que Marine Le Pen est compromise dans trois affaires judiciaires, dont une seule fait qu'elle risque 10 ans d'inéligibilité. Okay. Donc à rigueur, elle pourra peut-être être candidate que moi. Tu sais, moi j'étais bien candidat aux élections législatives alors que j'étais inéligible. Oui. Peut-être qu'elle sera candidate, mais elle pourra en tout cas pas devenir présidente de la République. Mais quand on est intelligent, on sait très bien qu'on ne peut pas gagner par les urnes dans ce pays. Justement, on va en parler peut-être à la fin. Quand même, la question que je veux te poser, c'est lorsqu'il y aura une élection pour déterminer qui sera le prochain président du Front National, est-ce que tu vas voter contre Marine Le Pen, peu importe le candidat? J'aurais déjà beaucoup de mal à voter ni pour ou contre, puisque moi je ne suis plus membre officiel du Front National. Ouais. Je n'ai plus de carte au Front National. Je crois que si j'essayais de prendre une carte, je ne suis pas sûr qu'ils me l'enverraient. Oui, bah, je ne sais pas, peut-être qu'ils ouvriront les élections. Non, ça c'est pas vrai, parce que écoute, en 2011, je te l'ai dit en début d'émission, j'avais soutenu Bruno Gollnisch. Ouais. Mon matériel de vote n'est jamais parvenu à mon domicile. Tiens, non. Ouais, mon matériel de vote n'est jamais parvenu chez moi. Je n'ai donc pas pu voter pour le candidat. Incroyable, t'as pas pu voter pour le candidat que t'as soutenu. Bah, c'est merde. Ça, c'est, au Front National, on n'a pas livré le matériel de vote à tout le monde. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de candidat face à Marine Le Pen, mais est-ce que seulement il y en aura un de candidat face à Marine Le Pen? Oui, bah oui, c'est la question qu'on peut se poser. Ouais. Est-ce qu'il y en aura un? Bon, après, je ne cache pas que ça va être difficile à Marine Le Pen de devenir présidente de la République, voire même impossible, mais est-ce que quelqu'un va la remplacer au sein du Front? Une autre question. Ouais. En tout cas, ça ne sera pas Florent Philippot. Je pense que lui-même en a conscience. Oui. Moi, je sais pas, il commence à draguer Mélenchon, on se demande un peu à quel jeu il joue. Alors, est-ce que tu crois que, même si nos chances sont minces de l'emporter, est-ce que le discours sur l'UE et l'euro n'a pas un effet angoissant pour les gens, anxiogène? Tu crois qu'il faut garder ce discours-là? Oui, ça, je pense pas tellement que ce soit anxiogène. Je pense surtout que les gens ne se sont pas déplacés pour voter pour le Front National, oui, tout simplement parce qu'ils ne comprenaient plus rien au discours et que le Front National ne remplissait plus sa mission, tout simplement. Tu sais, je peux pas faire passer les électeurs du Front National pour des beaux racistes de base, mais quand tu votes pour le Front National, c'est essentiellement parce que tu es opposé à un problème majeur qui est celui de l'immigration. Et c'est pas compliqué, on n'en a absolument pas parlé au cours de toutes les campagnes, que ce soit la campagne présidentielle, ouais, tant la campagne législative. Dans le débat, 0 minute. Voilà, on a parlé, on a causé de l'UE, on a causé de l'euro, et de je ne sais quel... Oui. Voilà, mais on n'a pas parlé des problèmes importants, c'est-à-dire l'immigration-invasion, on n'a pas parlé de la dénatalité, on n'a pas parlé du fiscalisme, ni de quoi que ce soit. Oui, alors, en fait, la base de ma question, c'était de constater qu'on a quand même été... Personne, pas moi, mais beaucoup de gens ont été étonnés par le score d'Asselineau qui était extrêmement faible, ce qui aurait tendance à laisser penser que la sortie de l'UE n'est pas une priorité du tout pour les Français, en fait. Bon, après, je commence à voir des articles qui apparaissent en ce moment, à ce qui paraît, les scores ont été truqués, bon, je pense que c'est rien. Ouais, mais non, je pense qu'effectivement, c'est pas la priorité des Français, puisque les sujets qui préoccupent principalement les Français, selon tout sondage confondu, c'est 1, l'immigration, et 2, la sécurité, et 3, la lutte contre le terrorisme, tout simplement. Et 4, vient l'emploi. L'UE, c'est à des années-lumière des préoccupations des Français. Oui. Mais comment tu expliques que... Bon, c'est pas forcément une réponse à la question, je te la pose comme ça. Les Anglais ont voté le Brexit quand même chez eux, il y avait... Est-ce qu'il y a plus de conscience politique? Déjà pour commencer, parce qu'on leur a demandé leur avis. Ouais. On leur a posé la question, ce qui ne s'est pas fait chez nous, ni sur aucun autre sujet ou débat sociétaux important. On ne nous a pas demandé notre avis, par exemple, sur la loi Taubira, sur le mariage homosexuel. Exactement. On ne nous a pas demandé notre avis sur la peine de mort. Et alors là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis persuadé que si on avait demandé l'avis aux Français, le mariage homosexuel ne serait pas passé. C'est une... Mais bien sûr, il suffit simplement de regarder le nombre de gens qu'il y avait dans la rue, c'était des millions de personnes, au moins 1 million de personnes, on ne va pas gonfler les chiffres, il y avait au moins 1 million de personnes dans les rues. C'était les plus grandes manifestations qu'on ait jamais vues en France. C'était même plus que pour la défense de l'école libre. Oui. C'est une manifestation historique, la manif pour tous. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont descendus dans la rue pour s'opposer ou pour soutenir un projet. Même après les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, etc., t'as pas autant de gens qui sont descendus dans la rue. Oui. Voilà. Et si on avait demandé l'avis aux Français, effectivement, ils auraient voté contre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il y a des politiques à l'étranger qui t'inspirent, des exemples à suivre? On en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis un grand admirateur de Vladimir Poutine. J'aime beaucoup Donald Trump. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la Hongrie ou de la Pologne, par exemple? Tu suis un peu... J'ai une très bonne, opinion de Viktor Orban. La Hongrie, c'est pas mal. La Pologne aussi. Ouais.
Bah écoute, ce sont tout simplement, disons-le clairement, c'est pas un gros mot, ce sont des dirigeants nationalistes. Tout simplement qui veillent aux intérêts de leur nation. De leur pays, de leurs administrés. Mm-hmm. Et c'est comme cela qu'on devrait faire partout ailleurs. Oui, finalement, nous autres nationalistes en France, on en arrive presque à admirer certains gouvernants à l'étranger qui ne sont pas forcément des gens mémorables à l'échelle de l'histoire, mais qui tout simplement défendent les intérêts de leur pays. Mais qui disent la même chose que nous, tout simplement, parce que nous avons un discours qui est marginalisé en France, alors du coup, on est obligé de se rattacher à autre chose. Oui. Alors, crois-tu que tu seras à nouveau candidat ? Est-ce que tu en as le désir ? Est-ce que tu... Oui, je pense que je serai candidat parce que les élections ne sont pas l'alpha et l'oméga. Oui. Mais disons, c'est le système qui nous permet de nous rapprocher le plus de la population, tout simplement parce que c'est le seul et unique système qu'ils connaissent. Oui. On vit dans un système républicain, démocrate, qui est fondé sur l'élection. Et donc, si tu as envie de te faire entendre, il faut que tu te présentes aux élections. Moi, à titre personnel, j'ai fait 300 voix à Nancy. Dans toute la Meurthe-et-Moselle, on a fait 1200 voix. Mmh. Je ne savais pas qu'il y avait autant de faf en Meurthe-et-Moselle, si tu veux. C'est vrai, finalement. Et puis, ça nous permet aussi, les élections, ça nous permet de faire une sorte de... comptabilité, quoi. De comptabilité, d'audit du terrain. Et on sait où est-ce qu'il faut qu'on aille recruter des personnes. Parce que quand tu as, par exemple, 20 personnes qui ont voté pour toi... dans un village de 250 habitants, c'est plus facile à retrouver. C'est notable. Ouais. Dans un village de 150 habitants, c'est plus facile à retrouver pour faire des adhésions, aller leur parler et aller chercher des militants. Mmh. Et ça te permet de diffuser tes idées dans le débat public. Ouais, ouais. Moi, j'ai été invité sur deux radios associatives. Oui, j'ai vu ces extraits. Ouais. Voilà. J'ai peut-être touché... les radios associatives, c'est écouté par combien de personnes ? 150, 300 ? Ouais. Voilà, donc au moins, ça te permet de toucher des gens, quoi. Mmh. C'est plus efficace qu'une autre méthode. L'argument que tu donnes est très bien, parce que des fois les gens se disent à quoi ça sert l'élection, on passe jamais. Parce que justement, toi tu penses, parlons-en de ça, en toute honnêteté, tu ne crois pas à la victoire électorale. Je pense, c'est une certitude absolue. On a souvent fait le reproche à Le Pen de ne pas vouloir le pouvoir. Oui. Je rappelle que Le Pen est un juriste, qu'il est licencié en droit, donc il a fait une première année, donc il sait comment fonctionne la Constitution, il sait comment fonctionne... le système électif, et quand tu sais comment que ça fonctionne, et ben ensuite tu as un choix. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure en privé. Soit tu abandonnes, tu fais comme Madelin, Longuet et compagnie, tu abandonnes ce qu'ils appellent l'extrême droite et tu vas ailleurs, ou alors et ben, tu restes entre guillemets dans le ghetto et tu défends tes idées. Oui. Moi j'ai fait le choix de défendre mes idées. On ne peut pas gagner les élections pour des raisons très simples, pour la simple et bonne raison que le système électif, l'alchimie électorale et le système constitutionnel est fait justement pour nous empêcher de les gagner. Oui. Le Pen, c'est pas qu'il n'a pas voulu du pouvoir, c'est qu'il avait conscience de ne pas pouvoir l'obtenir. Oui. Nous, notre mission, au-delà de gagner les élections comme des hystériques, c'est de défendre nos principes, de défendre nos valeurs et de dire la vérité à notre peuple et de se servir de ces moyens pour pouvoir diffuser nos idées dans le débat public. Parce que quand on rentre dans l'hystérie électorale comme l'a fait la fille de Jean-Marie Le Pen, eh bien, au départ, on finit, au début, on commence par exclure les militants historiques, jugés trop sulfurés. Après, on finit par changer des pans de notre programme. Ensuite, on finit par vouloir changer le nom du parti, puis on exclut même le fondateur du mouvement. On finit par tout renier, et au final, qu'est-ce qu'on a obtenu de plus ? On n'est même pas élu. Ouais. Mais non seulement on n'est pas élu, mais qu'est-ce qu'on a obtenu de plus ? Est-ce que tu peux répondre à cette question ? Bon, je sais que c'est toi qui les poses. Mais qu'est-ce que nous avons obtenu de plus aujourd'hui, en 2017, avec Marine Le Pen et sa stratégie ? Qu'on n'avait pas déjà avec Jean-Marie Le Pen dans les années 90. Un score plus élevé au présidentiel, à part ça... Un score plus élevé, on a obtenu 1 600 000 voix en plus, vrai. Et parce que législatif, il n'y a pas un scrutin proportionnel, ça ne permet pas d'avoir des députés. Bien sûr, mais ça, pour revenir à la première question, ça n'a rien à voir avec la stratégie de Marine Le Pen. Oui, c'est conjoncturel, mais c'est pas je pense, c'est une certitude absolue. Écoute, tu assistes actuellement en Europe à une montée en puissance de ce que les grands moyens de communication appellent l'extrême droite. Tu appelles une montée en puissance de l'extrême droite en Hongrie. Oui. Moi j'en sais rien, mais il paraît qu'ils sont fascistes. Voilà, il paraît que le Jobbik c'est un mouvement fasciste, ils sont deuxième ou troisième. Oui. Obdoré, il paraît qu'ils sont nazis. En Grèce, oui. Je ne pense pas, moi personnellement je connais très bien Irène Dimopoulou qui est la directrice du journal Emporos, j'ai rencontré plusieurs fois en France. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes d'Obdoré, c'est des gens qui sont parfaitement équilibrés. Je vois pas en quoi est-ce qu'ils sont extrémistes. Il y a une lame de fond, c'est conjoncturel. Il faut savoir que les gens qui votent pour le Front National, ce sont des gens qui attendent déjà de protester contre le système, mais aussi de certaines valeurs, certaines idées. Il faut comprendre que la vieille dame Yvonne qui vit dans son...
dans son petit pavillon et qui en a ras-le-bol que les Roms viennent déféquer sur sa pelouse et casser ses chaises en plastique, ils iront voter pour le Front, elle ira voter pour le Front National de toute façon, quel que soit le candidat qui se présente. En gros, c'est pas parce que c'est Florian Philippot, même si c'est un homosexuel, franc-maçon ou je sais pas quoi, elle votera pour lui. Donc la dédiabolisation, ça n'apporte pas plus de voix que ça nous en coûte. En fait, c'est un symbole pour les gens, le Front National. Ce que me disait Thomas, c'est que par exemple, quand il fait campagne pour le PDF, les gens sont convaincus par tout ce qu'ils disent, mais finalement, ils donnent leur voix FN parce qu'ils ont cette habitude électorale, en fait. Et c'est ça le problème. Ouais. C'est que le souci de la dédiabolisation, c'est que non seulement on ne fait pas plus de voix, ouais, mais ça ramène chez nous de véritables déchets, ouais, qui finissent par prendre la place de militants et de cadres de valeurs qui ont défendu un drapeau pendant des années, qui aujourd'hui ne peuvent pas ramasser les lauriers parce que c'est d'autres personnes qui les ramassent à leur place. Et ces personnes-là, complètement infatuées et imbues d'eux-mêmes, eh bien, viennent se présenter comme les personnes qui sont dépositaires des succès du Front, ce qui est absolument faux. On ne fait pas mieux aujourd'hui. Par exemple, aux élections législatives de 2017, on n'a pas fait mieux que ce qu'on faisait aux élections législatives de 93. Bien sûr. On a peut-être même limite fait moins bien, parce qu'il y avait plus de participation en 93. C'est pas moi qui vais dire le contraire, vraiment, c'est ce que j'ai dit à Soral. C'est pas la ligne Philippot qui nous a amené à ce pourcentage. Oui. C'est vraiment le ras-le-bol des Français. Soral, il l'a très mal pris, parce qu'en réalité, c'est pas la ligne Philippot que t'as attaqué, je crois. C'est la sienne. Il estime que c'est sa ligne, en gros, d'aller chercher les voix dans les banlieues, parce que c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, avec Philippot et compagnie, banlieue, patriote et compagnie, on a bien vu ce que ça a donné. Ouais. Voilà, donc en 2007. Pendant que Nicolas Sarkozy disait qu'il allait passer toutes les cités au Karcher, qu'est-ce que nous, le Front National, on faisait? On allait dans les cités pour dire que tout le monde était français. Tu as parlé pour Jean-Marie Le Pen, tu crois? Est-ce qu'il regrette l'épisode de la dalle d'Argenteuil, par exemple? Jean-Marie Le Pen, c'est pas le genre de personne qui regrette ses choix. Ouais. Il a toujours une façon de les justifier. On choisit. C'est un point en commun que j'ai avec lui, c'est que des fois, même quand on a tort, on a du mal à l'admettre. Ah. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça sert à rien de regretter ce qui s'est passé en 2007. C'est fait. Mais aujourd'hui, on a vu la limite de cette stratégie. Et actuellement, Jean-Marie Le Pen n'est plus du tout dans cette stratégie. Oui. Et tu as vu que après l'élection, bon, ça t'intéresse pas forcément, mais je te le dis, Soral persiste et dit que le FN doit continuer d'aller à gauche pour choper l'électorat de Mélenchon. Il a dit ça. Il a vraiment dit ça. Je sais pas, je ne suis pas du tout. Il a vraiment dit ça. Il a dit, il faut pas tendre la main à la droite. Quelque part, il faut. Je ne réagirai pas à ses propos, je te dirais simplement que ce mec-là, c'est un ancien marxiste, et puis il a jamais réussi à se débarrasser de son cancer. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est un ancien marxiste, Soral. Et moi, je veux pas faire l'anti-gauchiste primaire, mais j'ai vraiment un très très gros problème avec les gens de gauche. Hein. C'est... Oui, oui. Non, ça, c'est vraiment pas mon milieu. Pas ta cam. Pour terminer, une question qui mériterait peut-être un bouquin, ou alors rien. Quel avenir pour toi pour la France, sincèrement, en tant que jeune, parce que c'est rare que je reçoive des gens aussi jeunes qui se présentent en politique. Est-ce que tu penses que la France a un avenir? Beaucoup pensent que c'est perdu. La France a un avenir. Je t'ai dit en début d'émission que j'étais secrétaire départemental des comités jeunes. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on s'est appelé les comités jeunes, à ton avis? Jeune d'art, mais le problème, c'est que je crois savoir que ton public est assez jeune. Mm-hmm. Et j'ai déjà rencontré beaucoup de jeunes, c'est de 18-20 ans, qui ne savaient pas, en gros, pourquoi est-ce qu'on honorait Sainte-Jeanne d'Arc. En gros, ils venaient à notre manifestation rue de Rivoli, histoire d'être avec leurs copains, et... Pour résumer, c'est une personne qui a sauvé la France d'une situation qui semblait désespérée. On aurait peut-être dû commencer par là, dans ton émission. Allez, mais, présentons. Vu qu'on ne l'a pas fait, Il fallait qu'on rende un hommage particulier à Sainte-Jeanne d'Arc. D'accord. Parce que Sainte-Jeanne d'Arc, c'est pas seulement une personnalité qui nous permet de défiler deux fois par an dans la rue de Rivoli. Oui. Sainte-Jeanne d'Arc, elle irrigue totalement nos valeurs et notre action politique. Mmh. Sainte-Jeanne d'Arc est une référence qui nous inspire par son abnégation, son amour de la patrie, son courage, et parce que c'est aussi une référence éminemment populiste. Oui. Et à ce titre, je me réjouis qu'elle n'ait pas été récupérée par les féministes. Ah, parce que tu sais, ça aurait pu, et il y en a même qui ont essayé. Oui. Parce qu'à l'époque de Sainte-Jeanne d'Arc, il fallait bien reconnaître que les femmes, ça ne se battait pas, ou alors pas beaucoup, ou pas dans ces conditions, pas en armure. Les femmes, ça ne montait pas à cheval, et ça ne conduisait pas les armées, et a fortiori les armées royales. Ouais. Jeanne d'Arc, à 19 ans, elle a fait tout ça. Et Sainte-Jeanne d'Arc a réellement existé. C'est pas seulement une allégorie. Jeanne d'Arc, c'est une allégorie du patriotisme, qui est présente dans beaucoup d'églises, mais Jeanne d'Arc a réellement existé. C'est l'entière opposée de cette prostituée de Marianne, allégorie de la République, qui est présentée comme une femme les seins à l'air qui piétine le corps de Français. Mmh. Jeanne d'Arc, c'est les tréfonds même de l'histoire millénaire de la France. Mmh. Et alors même que tout semblait perdu, parce que ce qui est important quand on parle de Jeanne d'Arc, quand on parle de son épopée,
c'est de la replacer dans le contexte politique de l'époque. Mmh. À l'époque de Sainte-Jeanne d'Arc, non seulement les femmes ne font pas tout ce que je viens de te dire, mais la France était occupée militairement, mais asservie politiquement à l'anglais. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que les élites politiques de l'époque, les nobles, eh bien, avaient refusé de soutenir le souverain légitime de la France d'alors, qui était Charles VII. Oui. Et donc, personne n'a osé s'y opposer, tout le monde a cru qu'on ne pouvait pas renvoyer les Anglais de l'autre côté de la Manche, et Sainte-Jeanne d'Arc, elle l'a fait, elle a même fait ce que le dauphin croyait impossible, elle l'a remis sur son trône. Mmh. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'on ne l'enseigne plus, oui, dans le roman national, on n'enseigne plus Sainte-Jeanne d'Arc à l'école. Est-ce qu'on peut parler de miracle ? Je pense qu'on pourrait effectivement parler de miracle, mais c'est bien la preuve que lorsque tout semble impossible, lorsque tout semble désespéré, il ne faut pas désespérer parce qu'il peut toujours y avoir le coup de pouce majeur qui nous pousse à redevenir maître chez nous. Tu crois quand même à la volonté de vivre in extremis du peuple Je crois français. Fondamentalement que le peuple français est un peuple qui a fourni déjà beaucoup de génie à l'humanité et qui s'est relevé de beaucoup de crises. Le peuple français est capable du meilleur comme du pire, et lorsqu'il est bien guidé, le peuple français est capable des meilleures choses. Et je crois que nous devons pousser le peuple français à renaître. Je pense que nous pouvons redevenir maître chez nous dans une France souveraine, libre et restaurée. Et c'est tout le sens de notre action politique. Mais écoute, je crois qu'on ne peut pas terminer mieux que ça, hein, sur cette note optimiste. Voilà. Tu aurais peut-être quelque chose à rajouter, non ? J'ai rien de spécial à ajouter, d'ailleurs. Très bien. Je t'avais remercié encore beaucoup. Je suis content de cette émission. Je suis content de ce vin que tu m'as fait découvrir. Et un gris de Toul, un gris bien de chez nous. On va continuer de boire d'autres, peut-être d'autres bouteilles. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Je ne sais pas qui ça sera encore. On verra. Ce sera la surprise. Merci à tous. Vive la France, vive l'Europe.